Bonjour et bienvenue sur Téléafrique. Je suis Dadou Henri-Joël Zama. Téléafrique Group est une entreprise BTP, une entreprise immobilière. Nous sommes dans la construction, dans l'achat et la vente des terrains. Je fais cette vidéo pour vous présenter nos locaux de Toumaudi. On va vous présenter le siège de Téléafrique de Toumaudi et puis en même temps vous parler des opportunités d'affaires. Alors je tourne la caméra pour vous présenter nos bureaux de Toumaudi. Alors, ici, nous sommes à Toumaudi, qui est une ville située au centre de la Côte d'Ivoire, juste à 15 minutes de Yamoussoukro. Et écoutez bien, c'est bien vrai que je vais vous présenter notre siège de Toumaudi, mais en même temps, je vais vous parler de toutes les étapes de la construction. De toute façon, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer les différentes étapes de construction. Mais ici, je vais vous parler des conditions d'acquisition de l'espace et voilà comment est-ce que ce bâtiment a été construit et qu'est-ce que nous faisons. Ça peut aider beaucoup de jeunes entrepreneurs et beaucoup de jeunes de la diaspora qui ont des idées d'investir. Là-bas, je montre l'hôtel Le Bélier, qui est un hôtel construit à Toumaudi. C'était à l'autre bout de la ville, carrément à la sortie, mais aujourd'hui qui est pratiquement au centre-ville. Ça, c'est la grande voie qui va jusqu'à Dimbokoro. Dimbokoro, Bokanda, Tiebisu, à Bengourou jusqu'à Nibilekoro. Cet espace que vous voyez là, le terrain ne nous appartient pas. Alors que nous sommes en Côte d'Ivoire ici, nous vendons des terrains. Mais ce bâtiment nous appartient, par contre le terrain ne nous appartient pas. Ici, nous louons l'espace et nous avons réalisé le bâtiment. C'était pour faire le bureau, mais là, quand vous investissez, il faut mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir rentabiliser vos investissements. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons construit un bâtiment où nous faisons plusieurs choses. Voilà. Donc, ici, nous avons mis une grande terrasse ou un café, une cave. Quelqu'un peut boire, prendre un café ici, un vin, une bière bien glacée. Et puis, nous avons mis des écrans. Voilà, pour ceux qui aiment le football. Et ici, nous avons fait un magasin de stockage. Donc, vous avez la Sono qui est en location. Voilà, on fait la location. Il y a d'autres stocks qui viennent. On fait les bâches, les chaises. Ça, c'est les bâches. Et on fait, il y a d'autres bâches qui sont sorties. Et on fait dépôt de boissons ici. Donc, on a mis les toilettes. Voilà, ça c'est un stockage des chaises. Et ici, on garde certaines marchandises. Parce que ici, le bâtiment, nous faisons beaucoup de choses. Nous avons fait une, comment on appelle ça, une boutique, genre un mini market. Voilà, comme vous le voyez, mini market, le grenier d'Afrique. Voilà. Et le deuxième volet ici, donc côté mini market, vous voyez une très belle terrasse hein, qui attire pas mal de personnes. Voilà, vous êtes ici au bord de la route, vous prenez votre café, vous vous reposez un peu. Et puis là, nous sommes dans notre supérette. La supérette, pourquoi? Parce que toute cette zone que vous voyez là, tout est habité. Je vais sortir pour vous présenter. Donc là, quand on fait une supérette, on a déjà des clients. Tous ceux qui vont venir de l'autre côté avant d'arriver dans la ville peuvent acheter ici. Les véhicules à la sortie peuvent stationner si quelqu'un a oublié quelque chose. Donc là, nous sommes très bien positionnés. Donc ici, on vend un peu de tout. Ça, c'est le comptoir qui est là. Et voilà, c'est l'alimentation générale. Donc on vient à peine d'ouvrir. Le temps de voir qu'est-ce que les clients demandent pour ne pas avoir des produits qui vont rester ici. Donc on fait le recensement, la liste, pour pouvoir faire, comment on appelle, des vraies commandes. Voilà, parce qu'il ne faut pas envoyer des produits que les clients ne connaissent pas et puis après, ça va rester. Donc là, on prend le temps maintenant, c'est ouvert, mais au fur et à mesure que les gens viennent demander des produits, on note pour pouvoir passer de vraies commandes. Voilà, donc c'est l'alimentation générale, on va mettre ça, c'est d'autres rayons pour cosmétiques, là-bas c'est pour, c'est une cave, c'est pour les vins et autres. Voilà, un peu de tout. Hein. Donc ça, c'est notre supérette qui est là. Voilà, nous avons mis des caméras de surveillance parce que la sécurité est très importante. Voilà, tout ça. Donc ici, on va mettre un deuxième frigo pour les classes et autres. La caisse que vous voyez dehors ici,
Nous sommes en partenariat avec une boulangerie, une pâtisserie qui nous livre des gâteaux et puis des pains. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième côté. Vous voyez bien. Ici, c'est carrément à la sortie de la ville. Mais nous sommes pratiquement au centre-ville. Depuis que nous avons commencé ce bâtiment, tout le secteur a changé. Les gens ne font que construire. Et ici, voici notre bureau tranquillement. Donc pour tous vos achats, pour ceux qui sont dans la zone de Tumodi, voilà, vous venez ici. Télé Afrique Group, bâtiment, travaux publics, vente et achat de terrain, location et vente de maisons, promotion immobilière. Ça, c'est le bureau de Tumodi. Nous avons un autre bureau à Beauville, un autre bureau à Yamoussoukro et puis le siège social à Abidjan qui n'est pas encore opérationnel. Voilà, donc ici, c'est la salle d'accueil au niveau de notre bureau. Je vais mettre la lumière. Voilà, ça c'est notre salle de réception, l'accueil. On a déjà tout installé. Il y a une secrétaire qui est déjà là, qui travaille déjà. Donc vous pouvez venir faire vos achats de terrain. On fait la confection du plan, on fait la construction, la vente. Vous pouvez faire aussi la gestion locative. Vous pouvez nous confier, si vous avez des biens immobiliers, vous pouvez venir nous confier vos biens pour qu'on puisse faire la gestion locative. Comme ça, il n'y a pas question de mon beau ou bien mon frère, quand il encaisse, il ne m'envoie pas mon argent. Non, vous avez un compte bancaire, vous venez, on fait un contrat. Vous avez des biens immobiliers, on fait la gestion de vos biens immobiliers. Donc ici, c'est la réception. Oui, monnaie. Oui, monnaie. J'ai pas de monnaie. C'est toute ma monnaie que vous avez. Donc là, c'est le bureau du directeur de la zone de Tumodi. Voilà, c'est son bureau qui est là. Voilà, tranquille. Voilà, donc tout est prêt. Le bureau de Tumodi, tout fonctionne déjà. Voilà, et ce petit coin que vous voyez là, nous avons un technicien supérieur plus un géomètre assistant. Ça fait deux personnes. On a la secrétaire qui est là. Et puis cette table, c'est pour faire tout ce qu'il y a comme mobile money. On a Wave, Orange Money, MTN Money, Move Money. Donc ici, il aura une fille aussi, une commerciale pour réaliser ça, les recharges, canal, recharge d'électricité, énergie, tout ça. Donc, comme ça, chaque jour, on peut descendre avec quelque chose. C'est comme ça qu'il faut investir. Sinon, on pouvait juste faire les bureaux et puis être là, on attend les clients. Non, il faut créer, il faut innover. On a fait des toilettes, tout ça. Voilà. Très bien fait, Carolé. Tout est propre. Voilà. Donc, c'est des idées d'investissement. Étant puisque dans le registre de commerce, nous faisons toutes ces activités-là. On les a mentionnées dans le registre de commerce. Donc, nous avons le droit de le faire, on paye les impôts, tout ça, pour rentabiliser nos gains, nos investissements. Vous voyez? Donc, tous ceux qui sont ici, mais pour aller, au lieu de partir jusqu'au fond, ils vont s'arrêter ici, faire les achats. Voilà. Donc, c'est un site qui est super bien positionné. Nous avons pris le temps d'étudier, d'analyser. Et avant de faire... nos investissements. Voilà. Donc ça, c'est la future directrice de l'entreprise. Hé, hey, Grace, viens ici. Voilà. Viens ici. Viens saluer les abonnés de Télé Afrique. Voici la première fille de M. Zama. Bonjour. Bonjour. L'année prochaine, elle passe le bac. C'est ma première fille qui est là. Voilà. Et c'est le garçon qui est là. Les futurs héritiers. Fait le malin. D'accord, donc c'est un peu comme ça, chers frères. Pour investir, il faut innover. Ouvrez vos esprits, n'ayez pas peur. Voilà, quand vous savez que vous allez gagner, prenez les risques, investissez. Voilà, donc merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez nos vidéos. C'est nous qui allons développer nos villes, c'est nous qui allons embellir nos villes. Quand vous voulez investir, investissez au maximum pour que le lieu ou bien l'endroit puisse changer de visage. C'est un peu comme ça. Ciao, ciao, à très bientôt pour les prochaines vidéos.